Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte. Pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne rien rater. Cette semaine, un héritier de la photographie d'architecture allemande avec Matthias Heydrich et son livre Spectrum Berlin aux éditions Intervalle. Toujours avec maîtrise et rigueur, ce jeune photographe autodidacte, né en 1982, revisite les cités germaniques en se jouant des formes qu'il distribue dans des carrés, cadrés au plus serré. La conséquence est d'arracher avec douceur le bâtiment de sa fonction première pour n'en garder qu'un morceau choisi. Ces images se composent à travers une géométrie ludique et surprenante qui égaye une palette de couleurs acidulées ou pastels, puisée dans les nuances du ciel ou des aplats industriels. La ville devient aussi un terrain de jeu pour son Veltaflex et différents films qu'il utilise en fonction du rendu qu'il désire. Matthias Heydrich est également musicien. Son travail minimaliste s'inspire de couvertures de vieux disques vinyles, mais aussi du design graphique et également d'autres photographes comme Joseph Schulz ou Christoph Morlinghaus. Désolé pour mon accent allemand pitoyable, je vous écris les liens vers leur site dans la description pour me faire pardonner. L'idée est ici de faire abstraction des paysages urbains pour les revisiter et leur donner une toute nouvelle dimension. Quand il parle de numérique vs argentique, voilà ce qu'il dit. Eh bien, je ne veux rien ajouter à la discussion sur la photographie analogique et numérique. J'utilise les deux. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et son droit d'exister. Pour moi, la photographie analogique est la photographie lente. J'utilise les appareils photo numériques lorsque je dois travailler, quand cela doit être rapide et précis. Je photographie en analogique lorsque je veux créer quelque chose d'unique et de beau. J'adore la sensation de ne pas savoir à quoi ressemblera la photo à la fin. Nous allons chercher ensemble à comprendre comment sont construites ces images. Et pour cela, j'ai rassemblé des photos que l'on pouvait classer en fonction du style. Le style épuré ou minimaliste. Pour faire simple, c'est quand on ne peut plus enlever aucun élément de la photo. On voit bien sur ces photos que chaque élément a sa place et son importance. Si pour s'amuser, on essaye sur celle-ci de supprimer les lampadaires, on se rend bien compte que la photo perd ses lignes élancées vers le haut et une certaine notion de perspective. Donc forcément, elle fonctionne moins bien. Le style géométrique. On se sert des motifs géométriques pour construire et équilibrer la photo. Le carré pour commencer. Avec un carré dans un cadre carré bien placé au centre, c'est basique et ça marche. Sans doute grâce à l'assemblage des couleurs aussi. Sur la seconde, on a des petits cartons, plus ou moins carrés, dans des fenêtres carrées, qui forment un rectangle. Et pour compenser cette masse imposante dans la partie inférieure de l'image, il y a deux points d'accroche qui vont former comme un triangle rectangle imaginaire dans la partie supérieure qui va équilibrer tout ça. En parlant des triangles justement, en voici quelques exemples. Ils sont plus ou moins intégrés dans le cadre. Je vous laisse mettre la pause si vous n'arrivez pas à les visualiser rapidement. Voici un petit coup de pouce pour mieux les voir. Et pour conclure avec les figures simples, on pourrait parler des losanges qui se répètent de haut en bas, formant ainsi une chaîne qui divise l'image en deux. Et enfin quelques cercles, complets ou non, avec des répétitions ou de tailles variables, mais tout en restant un sujet principal de la photo. Il est tout à fait possible de combiner ces formes pour créer un ensemble équilibré comme sur cette image, ou comme sur celle-ci. On pourra aussi trouver des formes plus complexes dans le livre. Je vous laisse les chercher. Regardons maintenant le style que l'on appellera pas répétitif, parce que ça sonne pas bien. On emploiera le terme issu du graphisme de pattern, qui désigne un motif susceptible d'être reproduit et étendu à l'infini. Cela donne une dimension complètement abstraite à l'image, où l'on perd toute notion d'échelle, puisqu'il n'y a aucun repère pour se faire une idée de la taille de ce que l'on observe. L'usage de la symétrie en architecture est une solution élégante pour présenter son sujet. Cela permet de souligner une conception parfaite du bâtiment. Le revers de la médaille est que sa photo doit s'aligner au millimètre sur ce niveau d'exigence pour être parfaitement centrée, les verticales redressées, les lignes de fuite avec le bon angle, etc., etc. Et enfin, je termine par un clin d'œil avec le style OVNI, la photo qui n'a rien à faire là. Je ne comprends pas la place de cette photo dans le livre. Elle sort complètement du champ lexical de l'auteur. Elle est très belle, bien composée, mais c'est la seule voiture, et ça dénote un peu avec le reste. On dirait presque une photo de William Eggleston, vous ne trouvez pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous pour votre soutien et vos messages. Pensez à vous abonner, liker et partager la culture photo autour de vous. Cliquez dans le coin pour voir d'autres épisodes. À bientôt.